Cherche chanson, cherche femme, vend maison. Trois petites annonces trouvées sur internet que Mika Lurkiza reprend et met en musique pour soprano, voix de femme aiguë, et petit ensemble instrumental. I Nalt Be Clawed on the Throat. C'est le titre de l'œuvre et ça ne veut rien dire. C'est une sorte d'anglais bizarre, comme quand on chante en yaourt une chanson dont on ne connaît pas les paroles. Et c'est exactement l'objet de la première pièce. L'auteur de l'annonce cherche désespérément le titre d'une chanson qu'il a entendue il y a très longtemps dans une publicité. Il décrit cette chanson à l'écrit, ce qui est assez amusant puisque il essaye de chantonner la mélodie, mais comme c'est à l'écrit, quand on lit le texte, on ne lit que la 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 la. C'est donc avec humour que Mika Lurkiza met en musique ses textes. L'orchestre réagit aux paroles de la chanteuse, la musique reprend par moments des accents de blues, de disco, et le compositeur fait appel à des sonorités particulières. Détournement des instruments à cordes, qui doivent frapper leurs cordes, large pupitre de percussion, piano joué de manière insolite, notamment avec une carte en plastique qu'on frotte à l'intérieur de l'instrument, et bien d'autres modes de jeu encore. Le compositeur travaille aussi la voix. Très souvent, il demande à la chanteuse de faire une sorte de parler-chanté, à mi-chemin entre la voix parlée et la voix chantée, notamment dans la deuxième pièce, Cherche femme. Le texte est une description de la femme recherchée par une personne célibataire, et Mika Lurkiza associe les éléments textuels de l'annonce à des formules mélodiques et rythmiques qui sont répétées, qui reviennent tout au long de la pièce. L'humour est à nouveau très présent dans la troisième pièce, Vend maison. Le texte, en anglais, est celui d'un homme qui vient de perdre ses parents et qui doit revendre leur maison. Encore sous le coup de l'émotion, du deuil, il exprime sa peine par une grande vulgarité et une grande colère envers ses parents, ce qui, malgré la situation, est assez risible, d'autant plus que Mika Lurkiza compose une musique très jazzy, très rythmée, très joyeuse, qui contraste avec la situation. Il remplace même les mots vulgaires par d'autres mots, proches par leur sonorité, ce qui évidemment change le sens des phrases. Avec ces trois pièces, ces trois petites annonces, Mika Lurkiza dénonce avec humour les travers un peu pathétiques de la société de consommation.